Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ces hommes noirs, Taïmata, chez nos ténèbres. Mesdames et messieurs, bienvenue, deuxième partie Critique Info, l'unique sujet, le virus fantôme de Teny Longondo. Ce sera ça. C'est le thème. Permettez-moi, avant de commencer mon émission, de dire merci beaucoup à la communauté congolaise de Dubaï. Merci au président Mondo. Merci au président Mondo. Merci à tout le monde, hein, à toute la communauté. Je veux dire, monsieur Jean-Luc, monsieur Ougui, bah, Bélé, tellement Bélé, madame Vanessa. Ils sont nombreux, hein, ces gens qui nous ont aidés. Koulou Tounanga Toubi, Yone Lanzela, Arlekin. Merci vraiment Nandeko patient. Merci Nabandekonu sur l'Andagibiso. C'était vraiment bien. J'ai été le plus joyeux. C'était un grand plaisir. Ces gens m'ont amené partout. J'ai fait plus de 6 états à Dubaï. J'étais à Dubaï, j'étais à Sharjah. Je suis allé jusque là-bas. C'était un grand honneur, un grand plaisir. Surtout McDonald's, Lekiona, non mais. C'est fabuleux. Ça, c'était pour rire, quoi. Merci beaucoup à la communauté. Merci vraiment, quoi. C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir aidé. La communauté de Singapour, ceux qui vont congoler besoin de Singapour, dans l'émission, prochaine destination, c'est Panabino. Donc, tu habites quand? Parce qu'en avril, tu es sur Dubaï pour la sortie officielle. Et moi, bien, Zakuna. Et puis, à Singapour, je suis en train de venir. Bandeko à Hong Kong. Na Royape, bandeko baza na Hong Kong, na Singapour, na Shanghai, boze la biso, tozoya aneo kaka. On reviendra là-bas parce qu'il faut faire le tour et ba côté kuna. La question, il y a virus, coronavirus. Il faudrait en parler. Mais avant d'en parler, mesdames et messieurs, faites ceci. Vous prenez de l'eau chaque 15 minutes, c'est très important. Et vous ne vous arrêtez pas là, vous désinfectez vos mains, c'est très important. Prenez vraiment le soin de le faire et ça vous permet d'être désinfecté. C'est un soin pour vous, mais aussi pour les autres. C'est important de le faire. Il faut toujours avoir son petit bactigel, son petit désinfectant. Avoir ça, parce qu'on ne sait jamais qui on salue et qui on ne salue pas. Il faut avoir ça parce que là, je suis clean. Je peux saluer quelqu'un. Il faut toujours porter son masque. C'est très important. Cette affaire de coronavirus, ce n'est pas une fausse affaire. Mes frères, c'est une vraie affaire. C'est vrai cette histoire. Ce n'est pas une fausse histoire. Isaïe Lokasolo. Ce n'est pas une légende. Réveillons-nous. Arrêtons la distraction que nous sommes en train de faire. Le coronavirus est vrai. Je suis en train d'insister sur la question. Prenons les choses au sérieux. Ne prenons pas les choses à la légère. Cette question, elle est sérieuse. La question du coronavirus est sérieuse. Alors, très sérieuse. Ne pensez pas que tous les pays du monde peuvent s'entendre à fermer les hôpitaux, à fermer pardon, les écoles, fermer les restaurants, fermer les cafés, fermer les universités. Vous pensez vraiment que c'est de la blague? Fermer les frontières, savez-vous ce que les frontières font dans les économies du pays, de certains pays? Ce n'est pas de la blague, c'est très sérieux. Prenons cette affaire au sérieux. Lavez-vous les mains régulièrement et continuellement. Au besoin, après chaque contact. Voilà pourquoi il faut toujours avoir son gel. Il faut toujours avoir. La durée de ce virus sur un objet n'est pas une durée, ça ne dure pas plus d'une heure du temps. Ça ne dure pas plus d'une heure. Donc, si quelqu'un qui a été coronisé touche, ou je ne sais pas si on dit ça coronisé, s'il touche le... Je veux dire infecté, c'est beaucoup mieux. Hein. Si quelqu'un a été infecté et qu'il touche ce verre, vous voyez ce verre, s'il le touche, au bout d'une heure, le microbe ne restera pas longtemps, il va mourir. Mais qui sait? Qui peut quantifier le temps? On ne saura pas quantifier le temps. Et la mort des microbes n'est pas à l'œil nu. Voilà pourquoi il est toujours préférable, après chaque contact avec les objets, ayez votre petit désinfectant et désinfectez régulièrement vos mains, c'est important.
le virus a une image, a une connotation de la grippe. Ça a pratiquement presque le même symptôme de la grippe. Seulement, elle est beaucoup plus mortelle que la grippe. Quand on se rend compte qu'on est atteint du coronavirus, quand les symptômes sont déjà visibles, très souvent, il est trop tard. Et s'il y a le pire endroit au monde où on ne doit pas contracter cette maladie, c'est au Congo. Parce que vous avez un système médical défectueux. Si en Italie, où on peut estimer qu'ils ont un système médical assez fort, ils sont en train de mourir comme ça, alors dites-nous, nous en Afrique, comment on va faire pour vivre avec ces choses-là? Au-delà de toutes les blagues que l'on peut faire, au-delà de toutes les, tout ce qu'on peut avoir comme galerie, comme amusement, cette affaire est sérieuse. Ça, je dois d'abord interpeller les gens. Chers parents, c'est vrai que vos petits-enfants sont vulnérables, mais il a été prouvé que les enfants peuvent se passer facilement de cette maladie du coronavirus, mais pas les vieux. Les enfants ont encore un système immunitaire qui est plus fort, qui peut résister. Voilà pourquoi dans tous les cas, les enfants n'ont pas été cités beaucoup de fois. Mais attention, vaut mieux prévenir que guérir. Mettez vos enfants à l'abri. Il est très important. Mettez vos enfants à l'abri. Essayez pour ces quelques semaines de retenir vos enfants. Je vous le garantis, je vous le demande. Essayez de garder vos enfants à la maison et dans des lieux sains. Évitez des contacts inutiles, surtout avec le monde extérieur. Il fait mal, il fait pas beau à l'extérieur. C'est très dangereux. Nous sommes dans une insécurité bactérielle que vous ne pouvez pas imaginer. C'est une guerre bactériologique. Soyons un peu sérieux sur la question. Protégez les enfants. Lavez les mains. Nettoyez les mains de vos enfants. Basa chaque sac nabango naba désinfectant. Oh, c'est très important. Il faut qu'on communique sérieusement sur la question. On n'a pas besoin d'avoir peur. Il ne faut pas que la psychose nous gagne. Mais c'est plutôt nous devons résister contre ça en mettant ma prévention à l'habitude. Il est prouvé que quand vous prévenez cette maladie, ça peut ne pas vous atteindre. Quand vous avez des méthodes non salables, à chaque fois que tu prends de l'eau, parce que vous avez remarqué, depuis longtemps, je prends beaucoup d'eau déjà. Parce que plus ma ezo kenanzo tonayo, ezo empêcher, ezo évacuer ma voie respiratoire, et vous n'aurez pas le problème de ce coronavirus. En dehors du corona gate, en dehors du corona tout ça, mais il y a une réalité, c'est que ça tue pour de vrai. Ça tue pour de vrai. Je vais vous donner quelques statistiques que j'ai partagées avec mon aîné Franco qui se trouve dans la ville de Raleigh. Et je profite pour la même occasion de saluer quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est M. Mubenga qui est aussi dans la même ville de Raleigh. Et je pense en même temps toujours aux États-Unis. Dabande kwaza kuna mo ebele, bande kwaza kuna mo ebele, kulutu nangai pe Ngili Enoch, monsieur Ngili Enoch, coup de chapeau à vous. Alors, je vais vous dire quelques statistiques que j'ai partagées avec un aîné, monsieur Franco. On discutait sur la question parce qu'on a été discuté à moi, monsieur politique, mais il a posé des choses assez importantes. Je vais le lire. Coronavirus, état des lieux dans le monde le 14 mars 2020. Il faut qu'on. Le monde va finalement s'organiser pour faire un état des lieux du coronavirus. D'où c'est parti? On sait que c'est la Chine. Et comme il n'y a pas de pays, on sait que c'est par les voyages, par le transport, ainsi de suite. C'est difficile que Moudatine ait le bloc en Chine et dans un conteneur ou dans l'infecter. Ce n'est pas possible. Parce que le temps, la durée, et Simbaté est au coup. C'est une question d'heure, c'est une question de minutes. Ça ne peut pas rester longtemps en dehors et en Zotamoutou. Tuenyama. Le nombre de cas de nouveaux coronavirus dans le monde a dépassé les 150 000 dans plus de 5 700 décès dans 137 territoires, pays et territoires. Ça veut dire un bilan simple. On a aujourd'hui le nombre de cas, de nouveaux cas de virus, c'est 5 700 personnes qui sont décédées, sans compter les gens qui sont morts, il y a des jours, parce que les statistiques datent du week-end passé. Donc il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts. Et puis, plus de 152 898 cas d'infection sont dénombrés dans 137 pays, dont le plus touché après la Chine sont l'Italie, avec 1441 morts pour 157 cas. L'Iran, avec 611 morts, avec 12 000 cas. L'Espagne, avec 183 morts. Donc, dans 5 753. Et la France avec 91 morts, 4 500 cas. Vous avez en France
Le Premier ministre Édouard Philippe annonce que c'est samedi minuit, de minuit, les cafés, les restaurants, le cinéma, les discothèques seront fermés. Ce n'est qu'après la discussion, disons l'allocution de Macron. Monsieur Macron a estimé que les écoles, les universités devraient être fermées. Et elles sont fermées. Aujourd'hui, Bananabango, bon, il y a des classes. Bon, on a pas programme sur Internet. Et au moins, ils ont l'Internet. Ils ont su rattraper leurs enfants qui n'iront pas à l'école, pas par leur volonté, mais parce que la conjoncture, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc, au moins, combien les autres ont trouvé le moyen. Ils ont pris ça au sérieux. Je prends le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé ce samedi 14 mars, dans la soirée, que les déplacements sont interdits en Espagne, sauf pour aller travailler ou faire ses courses. Vous voyez les mesures de restriction que certains pays prennent pour protéger Mbokanabango de Makamwana. Donald Trump annonce samedi l'extension au Royaume-Uni, à l'Irlande, de l'interdiction de l'entrée aux États-Unis, déjà en vigueur pour les voyageurs ayant séjourné récemment dans les pays européens de la zone Schengen. Il faut rappeler que Donald Trump avait déjà demandé d'interdire aux Français ou aux Européens d'atterrir en Amérique, de venir en Amérique. Maintenant, là, on essaie d'aller plus loin. On touche maintenant le Royaume-Uni, l'Irlande, qui déjà étaient un peu à l'écart. Mais là, ils sont frappés, quoi. Ils sont frappés dans la même chose. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé dimanche que toutes les personnes arrivant de l'étranger devront se placer en auto-isolement pendant 14 jours. Et parce que, pourquoi 14 jours? Parce que c'est la date ou la période d'incubation. C'est la période au cours de laquelle le virus se manifeste vraiment. Et à dépasser ces 14 jours, vous ne pouvez plus être inquiété de souffrir de la maladie si vous ne présentez pas des symptômes. Parce que 14 jours, c'est suffisant pour que le virus soit finalement découvert. Mais il y a des... Parce que quelqu'un a dit, un bactériologue, je ne sais pas si on le dit comme ça, je ne sais pas si vraiment on dit ça, a estimé qu'il y a une question de souche et de souche. Il y a des bactéries, toutes les bactéries n'ont pas les mêmes souches. Il y a des souches qui résistent et d'autres qui ne résistent pas beaucoup. Bon, c'est trop savant que je n'ai pas pu comprendre. Mais en tout cas, l'expérience, disons, la petite connaissance que j'ai sur la question, c'est que 14 jours serait la date, la période au cours de laquelle l'on peut voir si réellement la personne est infectée ou pas. La Russie ferme aux étrangers sa frontière terrestre avec la Pologne et la Norvège. La Norvège annonce qu'elle allait fermer ses ports et aéroports et renforcer ses contrôles frontaliers terrestres à compter de lundi. Si on veut parler en français et à Mindele, la Russie ferme aux étrangers sa frontière terrestre avec la Pologne et la Norvège. La Norvège annonce qu'elle allait fermer ses ports et aéroports et renforcer ses contrôles frontaliers terrestres à compter de lundi. Ouf, le français c'est difficile. Hein? L'Arabie Saoudite va suspendre tous les vols internationaux dès dimanche pour 2 semaines. Au Burkina Faso, on est en Afrique, 5 nouveaux cas ont été détectés pour 7 cas au total. Les établissements scolaires et universitaires sont fermés jusqu'à fin mars. Burkina Faso, 5 cas. Et pour ça, seulement 5 cas. Et pour ça, les écoles fermées, les universités fermées et tout ça. Parce qu'ils savent, ce n'est pas parce qu'ils ont peur, non, ils savent qu'ils ne sauront pas contenir ce virus-là s'il y a une propagation. Il faut donc maintenant limiter la propagation de ce virus parce que ça peut être dangereux. En Israël, l'Israël va fermer à partir de dimanche restaurants, centres commerciaux, cafés, salles de sport, dans une tentative d'arrêter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le Premier ministre Benjamin Netanyahu. 193 cas ont été signalés dans ce pays. 38 cas ont été comptabilisés en Cisjordanie. Un premier cas a été diagnostiqué vendredi 13 au Kenya. Le gouvernement a annoncé des mesures et depuis, la psychose gagne la population. Les supermarchés et les pharmacies sont prises d'assaut pour acheter effectivement les désinfectants. Je ne peux pas vous montrer parce que je ne fais pas la pub, mais c'est les désinfectants qu'il faut donc devoir acheter. En Iran, le ministre de la Santé iranien a annoncé samedi 97 nouveaux cas de décès dus au coronavirus, portant le bilan officiel de l'épidémie à 611 morts en Iran, l'un des pays les plus touchés au monde. Le nombre de contaminations du nouveau coronavirus en Iran s'élève désormais à 12 729. Plus de 4 300 personnes ont été guéries.
Terminons avec cette nouvelle au Congo maintenant. Alors, au Congo, le ministre estime que le troisième cas a été détecté. Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est vrai que j'ai tout entendu. Na Kinshasa, bakangi kamoko ya Ebola, pardon, ya coronavirus, deuxième cas, et puisque troisième cas. Donc, biso na Kenya, tout ça, na code na Burkina Faso, tout ça presque na baka ndenge moko. Mais la population a dit non. C'est la première fois pour moi d'apprendre que les autorités disent que bozana coronavirus et peuple et moka boya jamais au Kosibiso et ça pour OMS le qui va repasser à 19 ce qui milliards ou millions de dollars dans la pays infecté ba tout bazuyongo le la COP. Attention, il y a un grand piège là. Le premier piège c'est que et si le ministre a raison? Ce n'est qu'une question. Et si il a raison? On aura beaucoup perdu, vraiment perdu parce qu'on aurait pris ça à la légère. S'il a tort et que nous avons pris des dispositions, on n'aura rien perdu. Vous comprenez là où la question se trouve? C'est-à-dire, si nous balayons ça des revers de la main, on dit on s'en fout, c'est faux, cette histoire, c'est faux, si ça nous frappe pour de vrai, rassurez-vous d'une seule chose, nous allons payer ça dans notre peau, dans notre chair, on payera. Mais s'il a tort et que nous prenons quand même des précautions, on n'aura rien perdu. Il aura menti, il aura fait des affaires, mais nous, on serait quand même protégés. Mais là, ce que je voudrais dire aux gens, c'est quoi? Le ministre s'y est très mal pris, je crois. Je crois que le ministre s'est trompé sur la manière de communiquer. Le ministre a péché dans la communication qu'il a eu à faire. Beau se souvenir, tant au banda qui manda, j'étais le premier journaliste à dire au ministre de la Santé, c'était parmi le premier que j'avais interpellé, le ministre de la Santé. Il a dit, monsieur le ministre Obandi Mabé, je lui avais dit Obandi Mabé. Pourquoi Obandi Mabé, à côté d'un gouvernement, a sali même pas état des lieux. Alors même pas état des lieux, et tout de suite, Obandi Mabé voyage. J'ai dit au ministre de la Santé, j'ai dit, ministre, vous faites mal. Un peu comme le président de la République. Vous commencez, vous prenez le pays, vous ne faites pas un état des lieux, vous commencez à faire le voyage. Ce qui est bien, parce que vous voulez ouvrir le pays à l'extérieur. Mais l'état des lieux vous permet de savoir au Koutimbo, au niveau nini. Ok, donc au niveau nini. Et c'est ça que j'ai dit au ministre. J'ai dit, qu'est-ce que tu as trouvé comme appareil médical dans Mboka Nabisso? Quel est le niveau au Koutimbo, au Nabisso? Il y a un système médical Nabisso. Il est à quel niveau? Il répond à quel besoin? Il prend en charge combien d'individus? Combien y a-t-il de médecins pour la population? Tout ça, ce sont des questions élémentaires, c'est des basiques. Quand on veut gérer un secteur, on doit savoir on a combien de magistrats, combien de médecins qui sont payés, combien de médecins ne sont pas payés, combien sont en situation d'irrégularité. Dans votre secteur de santé, vous prenez en compte les infirmiers. Combien d'infirmiers sont payés, combien ne le sont pas. En fait, aperçu général, l'OANA général, il faut permettre aux ministres, on en a idée sur comment j'oriente ma politique de la santé. Public. C'est vrai, la politique de la santé publique est une politique nationale. C'est le premier ministre qui descend du gouvernement, au conseil des ministres, on est décidé à sur comment on fait. Mais les grandes orientations, je veux dire les orientations, l'impulsion, ça vient du ministre lui-même. Il va le faire sur base de quoi? Sur base d'une vision. Mais le ministre de la Santé s'était déjà trompé sur la question. Quand la question d'Ebola arrive, le ministre attend qu'on détecte un cas. Il ne devrait pas attendre qu'on détecte un cas. Il devrait prévenir déjà avant pour que ce cas-là n'arrive pas chez nous. Parce que le virus, on dit, il y a des pays qui ne connaîtront pas le virus. Pas parce qu'ils vont cacher ça, mais parce qu'ils prennent des précautions déjà en avance. Ils n'attendent pas qu'ils détectent un cas chez eux. Ils anticipent déjà. On ferme les frontières pour un tel endroit, pour un tel pays, pour une telle destination. La politique doit être claire, elle ne doit pas être ambiguë. C'est le seul cas au Congo, la situation au devant au Congo, c'est une situation sui generis où le ministre donne son point de vue, mais les malades contestent. Le malade, lui qui est malade, conteste. Mon ami Israël Mutombo, quel travail il a fait, mais c'est un génie ce monsieur. Il est allé enquêter, jusqu'à discuter avec le monsieur, la personne, au hasard, un problème. Israël Mutombo, coup de chapeau, tu as fait plus que nous tous. Il a appelé les journalistes, disons le monsieur. Ils ont discuté avec le monsieur. Le monsieur ne reconnaît même pas être infecté. Et pire encore, le monsieur, juste les propos de ce monsieur pouvaient demander la démission du ministre, même la révocation.
Parce que ce que le ministre a fait, si on est vraiment serré dans un pays, c'est un suicide. C'est un suicide. C'est un assassinat. Le ministre ne peut pas demander à quelqu'un d'être placé dans une chambre, dans un bureau. C'est ce qu'ils appellent l'isolement. Mais c'est un suicide. Donc si le monsieur qui est placé là, on le place pour qu'il meure. C'est ce qu'on appelle en droit non-assistance en personne en danger. Et ça, c'est un danger des morts. Dans une moutou, au bonobi, quand il y a un virus, il y a un corona, bon, tu as un bureau, mon con. Et pire encore, vous laissez l'accès à sa femme et à ses enfants d'aller leur rendre visite. Et le monsieur, quand il parle avec le brillant Israël Mutombo, il discute, il dit à monsieur Israël que Nava Kuto Anamouassi Nangaï Nabananga. Donc il est en train d'infecter sa femme et ses enfants. Et l'État voit ça. C'est quoi cette manière de faire les choses? Le président de la République a trouvé le mot qu'il fallait. C'est totalement dépassant, quoi. On ne peut pas, c'est d'une légèreté au summum. C'est une légèreté grave. Tu ne peux pas, en tant que ministre de la Santé, placer les gens en quarantaine sans tenir compte. Il y a place au Tchébongo. Est-ce que place au Mino Tchébongo qui est en quarantaine, on a, les équipements sont là? Oui, tout Tchébongo en quarantaine. Est-ce qu'ils ont l'équipement Nango? Êtes-vous outillé pour lutter contre le coronavirus? Vous êtes en mesure de le faire. C'est bien beau de déclarer des cas qu'on a. Mais attendez, quand vous n'avez pas le moyen de protéger ces gens-là, arrêtez d'abord vos histoires. L'Australie n'a pas le moyen qu'il faut maintenant. Australie. Je vous parle peut-être de mais pendant tout ce temps, ils n'avaient pas encore ce moyen-là. Ils ont demandé, quand ils ont la frontière, pour qu'ils soient sautés. Et ils sont sautés quand même. Même si vous avez auto-isolement, mettez-vous en quarantaine d'abord. Si vous estimez que vous n'avez pas la prise pour la mesure de prudence, vous avez dit que vous avez une maladie. Mais pour que vous avez une maladie ou pas, allez-y en quarantaine pendant 14 jours. Et on les place comme ça. 14 jours après, les médecins viennent suivre. Soit vous dites que quand ils ont persisté, tout est persisté, grippe est persisté, vous avez placé ce qu'on a en quarantaine à place. Mais nous, on n'a pas cette politique-là. La question qu'on pose au ministre, oui, les gens qui sont atteints, vous les amenez où? Est-ce qu'on peut voir à la télévision? L'Italie nous a montré ses dispositions. La France a hier consacré des émissions, des journaux, uniquement pour parler de ça. Montrer la face du monde que nous nous prenons en charge. La Chine a montré les hôpitaux. La Chine aujourd'hui a déclaré la fin de ce virus. La Chine a déclaré la fin de ce virus. Vous avez vu une vidéo faite par les bas, une vidéo faite par les services médicaux chinois où les médecins sont en train d'enlever les masques. Parce que pour le moment, la maladie a été résolue, donc a été finalement guérie et éradiquée. On oublie ça en Chine maintenant. Ils ont montré ça. Mais alors vous, docteur Eteni, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi vous ne procédez pas d'abord à la communication? Communiquez bien. Communiquez bien. Ça veut dire aller dans des hôpitaux, montrer des hôpitaux, et vous avez matériel, personnel. On peut vous aider. Si vous ne pouvez pas le faire, moi, je peux vous aider à le faire. On peut vous aider à faire une bonne vidéo. On compresse la vidéo, on la diffuse dans votre smartphone. Ça nous aide, nous, à tomber dans le bureau. Ça nous permet. Il y a un monde qui dit, ah, donc, Congo, et ça permet aux gens de ne pas avoir peur. Coronavirus n'existe pas dans mon aventurier. Nous sommes en train de battre les maquillages. Coronavirus est contacté. Vous pensez que celui qui a créé les Chinois, c'est Satan? Arrêtez, enlevez Dieu dans vos histoires. Papa Mbaranao, que nous avons battu les maquillages. Et si pas sur maquillages. Bibi, nous, mon cobo, se protéger. Dieu a sa part. Nous, on a part. Montrez à la face du monde que vous avez les matériaux qu'il faut. Montrez à la face du monde que vous avez les équipements qu'il faut. Moi, je vous propose ceci, cher ministre. Je ne fais pas que des remarques, je fais des propositions aussi. Botikananouche et Logobozanangoya, hôpital de cinquantenaire, voilà, c'est un éléphant blanc. Arrêtez ça. C'est un éléphant blanc. On ne peut pas, sur un territoire de plus de 80 millions d'habitants, un pays si grand que le Congo, Bobé Tarto, le hôpital Moko, où ils en ont venu 24. Il faut avoir honte parfois de ne parler que c'est de cet hôpital-là. Na haute, on a 18 ans, bougé, bah, j'ai Kimboka, Oyo, hôpital à cinquantenaire, il fallait en avoir territoire Nyonso ya Congo. Le standing de l'hôpital de cinquantenaire, cet hôpital-là devrait se retrouver, si pas dans tous les territoires, mais au moins dans tous les districts.
Si c'est beaucoup trop, au moins dans toutes les grandes villes, il fallait hôpital cinquantenaire à la Bongo. Depuis quand l'hôpital général, il y a référence, et à un moment donné, il faut se référer dans l'hôpital cinquantenaire. Si c'est un hôpital de référence, il fallait que tous les hôpitaux se réfèrent à lui. Mais nos hôpitaux sont vraiment des références à l'hôpital de cinquantaine. Il y a Maman Yemo, parce qu'il y a Koufa, il y a Bongo. Donc moi, je pense que Bokende, na Maman Yemo, Bokende, dans tous les hôpitaux généraux de référence, il y a Congo, affecté ne serait-ce que deux ou trois blocs. Peut-être pas beaucoup. Deux ou trois blocs. Bolakisi vidéo à Kananga. Hôpital général à Kananga. Trois blocs équipés. Même pas beaucoup. Même à trois ou quatre blocs équipés. Bokende à Matadi, équipé. Bokende à Bakongo, il y a Congo, il y a Nino, il y a s'occuper à Boma, s'occuper à y a Bandundu, il y a Boalikale, tout ça. Bon, équipé. Ça serait une bonne communication. Même la communauté internationale va vous respecter. On dira non, mais ces gens sont sérieux. On dirait que ces gens sont sérieux. Na kina bo laxi biso bloc mon tel asuki bot basu coronavirus ta place ba okende. Ta place ba la traiter. Ta la place yango. C'est comme ça qu'on fait. Mais il faut faire effectivement, il y a des déterminants de la santé comme la justice, comme l'État, comme la diplomatie, comme la DGM et tout. Il faut que l'État prenne des dispositions pour ne pas empêcher le qu'on écoute. Le ministre de la santé s'est très mal finalement pris. Et il continue à faire encore des erreurs de communication. Il continue encore à le faire. Il déclare le premier. Vous n'avez pas encore fini la question du premier cas. Vous déclarez le deuxième cas. Mais les gens ne vont pas prendre ça pour une blague. Le premier cas dans Toubib, on est sûr qu'il y a un virus ou pas. Deuxième cas, Toubib, on est sûr qu'il y a un solo ou pas. Mais il fait de donner le profil exact de ces gens. Parce que vous savez que tous les cas viennent de là-bas. Alors fermez la frontière. Même pour deux semaines ou trois semaines, ça ne coûtera pas grand-chose. Ça va être difficile, mais on tient. Bokangi dans la frontière. Mais toi qui as le Burundi, tu as immigré, ceux qui n'ont pas été en. Je n'ai pas encore eu le temps de pénétrer la question. Je vais vraiment essayer un peu de m'outiller pour qu'on trouve une solution. Pensez-vous que dans tous ces cas, dans tous ces bateaux, il n'y a pas de coronisés? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui ont le coronavirus? Quels sont les mécanismes mis en place pour la frontière en Abyssinie? Dans nos frontières, il n'y a pas que des bateaux, il n'y a pas que des ports et des aéroports. Il y a aussi des frontières routières qu'il faudrait contrôler. Il y a des frontières maritimes qu'il faudrait contrôler. Alors, donc, il faudrait finalement tous à la mesure où il faut que l'État nous aide à nous protéger de l'intérieur. Interdiser les regroupements. C'est une mesure préventive. Interdiser les regroupements, il y a bateaux. Interdiser les églises, interdiser les bars, interdiser les restaurants. Interdisez là où 2, 3, là où 10, 15 personnes peuvent se rencontrer. Interdisez. Si vous êtes l'État, prenez des dispositions. Nous ne perdrons rien si vous vous êtes trompé. Nous ne perdrons rien en tout cas. Au moins les gens seraient protégés. Mais si vous dites, bon, ok, je demande à l'État congolais d'interdire les regroupements, de fermer les boîtes de nuit, de fermer les bars, de fermer les restaurants. Yamine Newana. De fermer les églises pour un temps. Que les gens prient à la maison, que les gens boivent à la maison, que les gens mangent à la maison. C'est important pour l'instant. Les écoles, les universités doivent être aussi fermées. C'est important. C'est important pour nous tous. Que les gens restent à Bongo à la maison. Cette affaire est sérieuse, mes frères. Elle est sérieuse. Il y a maintenant une guerre des pharmacies qui rentre en jeu. Bobby Doumbou, cette histoire de corona peut aller un peu plus loin que ça. Parce que maintenant, il y a le côté Corona Gate et Bandisico. Souvenez-vous de ce que Kadhafi disait, hein? Il crée des virus et puis il vient nous vendre les antidotes. C'est très important cette affaire. Maintenant, il y a une guerre à la pharmacie. Et comme il y a une guerre à la vie, il y a des antidotes. La pharmacie américaine, la pharmacie chinoise, la pharmacie européenne, et le terrain, ça va être où? Le terrain, ça va être l'Afrique. Ouvrons l'œil et le bon. Prenons des précautions. Interdisons ces choses-là, battons-nous pour que le cas qu'on a, Tobaksabaka Moussouté. Cher ministre, votre compétence ne sera pas de nous sortir plusieurs cas. Votre compétence sera de nous bloquer. Battons-nous pour que Bakawana Babika. Heureusement pour nous, il n'y a pas encore de mort. Et nous prions pour qu'il n'y ait pas de mort. Mais ça marchera sur du droit sérieux, sur du bateau tous autres à la ou bien. Et c'est très important. Nous avons combattu pour éviter un problème. Banaka coronavirus et belé écoute pas nabango mais ba boy ko le belengo ils refusent d'en parler, ils veulent traiter ça à l'intérieur. Nabi ke bato na zo ba ibi ona ba ibi peini na lo belawana. Ils ont le corona chez eux mais ils ont refusé d'en parler. Ils ont dit pas question, on ne fait pas de promotion, on n'en parle pas du tout,
on garde ça comme ça, ou bah on a toujours des tangos, on traite ça. Parce qu'ils savent le coût que ça porte à l'économie, ils savent le coût que ça porte au tourisme, ils savent le coût que ça porte. Pour la première fois de l'histoire, les grandes autoroutes de la Chine sont désertes aujourd'hui. Ouais. Les grandes villes désertes. Parce que les gens ont peur d'aller là-bas. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir le coronavirus. Si vous le faites pour avoir 19 millions de milliards ou millions, rassurez-vous qu'aucune somme ne va dépassera la vie humaine. Soyons humains, soyons sérieux. Mesdames et messieurs, pour terminer, le même geste, d'abord avec de l'eau. Et puis, on désinfecte. Désinfecter même les téléphones parce que vous le touchez beaucoup. C'est très important, il faut le désinfecter. Vous désinfectez votre téléphone à l'aide d'une sorte de lingette et puis c'est tout. Parce que mon émission, si ça m'empêche, ça va y arriver, beauté, on ne sait pas. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Notre nation.